Bonjour, contente de vous voir. Quoi de mieux que cette magnifique véranda pour vous parler de Gabriel Roy? Imaginée et inventée par l'architecte Pierre Thibault. Alors, je vais vous faire découvrir ce que Gabriel Roy a découvert de la Gaspésie quand elle est débarquée ici en 1942. Je commençais tout juste alors à écrire des reportages pour le bulletin des agriculteurs. Sans l'avoir jamais vue, je rêvais néanmoins d'elle comme on rêve, sans l'avoir connue non plus, de l'île de Pâques. Je demandais au rédacteur en chef s'il ne consentirait pas à m'envoyer faire un reportage en Gaspésie. Il eut peine à ne pas me rire au nez. La Gaspésie. Tout le monde a écrit son petit poème, son petit article, sa petite chanson sur la Gaspésie. C'est de l'archi connu. Les goélettes, la morue salée, le barachois, le rocher percé. Mais lui avais-je présenté, ce ne pourra pas être de l'archi-connu de ma part, puisque je n'en connais rien de rien. Faites-moi confiance, ma Gaspésie ne pourra être autre chose qu'une nouvelle Gaspésie, puisque je vais la prendre toute seule. Mon argument l'avait frappé. Si vous rapportez un bon article, me dit le rédacteur, on vous l'achètera à 15 $. De plus, nous allons faire en sorte de vous obtenir un billet gratuit du CNR. Jusqu'où voulez-vous aller? Jusqu'au bout. Et c'est ainsi que ce jour-là, à bord du petit train qui avait quitté la Matapédia 3 heures en retard, je n'avais aucune idée au départ à quelle gare je descendrais. Par deux fois, le chef de train était venu s'en informer, inquiet pour moi, n'ayant sans doute pas souvent eu affaire à des voyageurs ne sachant pas où ils allaient descendre. Là où ça me paraîtra le plus beau, avais-je dit. Et je serai prête, croyez-moi, lui avais-je dit en lui indiquant à mes pieds mes deux valises placées la poignée vers ma main. Aussi existe-t-il des pays qui correspondent exactement à nos rêves les moins explicables. À présent, la mer apparaissait presque à chaque tournant, et à chaque tournant, je prenais comme lui un plongeon dans cet infini. La baie de Port-Daniel, découpée à même l'immense baie des Chaleurs, est longue à encercler pour un petit train qui ne se presse pas, en aucun temps, et ici moins qu'ailleurs, car il a à parcourir un terrain sans cesse en courbe. Il arrive en Gaspésie que pendant la nuit, on soit tiré de son sommeil par de vagues lueurs courant le long de la côte, et comme par l'intuition que des ombres, pressées de devancer le jour dans leur effort quotidien de travail, vont, viennent déjà, à la voix seulement, se reconnaissant dans la pénombre. Des lampes s'allument derrière les carreaux embués des maisons, puis des lanternes surgissent sur la route. On entend bientôt le son des rames heurtant la vague. Puis c'est l'explosion des moteurs, ce teuf-teuf, qui se prolonge dans le pays comme sa véritable respiration nocturne. J'avais l'impression d'être dans un endroit sûr, avec des amis sûrs. Merci. Merci.